souvent ici, hein, on tombe sur des problèmes de d'AOC, de comment dire, de rapidité du mouvement par rapport à l'attaque de l'autre, toutes ces choses-là. Hein. Ce que je veux dire à ce point-là, n'oubliez pas que le travail en ligne est un travail encore artificiel, mais malgré tout, ce que je veux dire. Le fait de penser à couper ici va accélérer la vitesse de frappe de celui-là. C'est ça que je veux dire. Le fait de penser ici, je vais utiliser ça pour couper, va accélérer la vitesse de frappe de celui-là. Alors que si je ne pense qu'à monter et à frapper, je vais avoir forcément un temps d'entrée. Faites le test vous-même. Le fait de penser à couper vous fait gagner un peu de vitesse de manipulation du bâton. Vous voyez ce travail-là? Ce travail de ici, de ça, va accélérer la vitesse de l'autre. Alors que si vous faites le mouvement tel qu'on a l'habitude de le pratiquer, il faut attendre. Il attend que je sois là-haut, parce qu'en réalité, ça ne va pas assez vite. Perché nibbio? Perché non c'è tempo per fare. Non c'è abbastanza tempo per fare il movimento se lo facciamo come lo facciamo in Kotai, in Kimo. Lo facciamo io. Che cosa diceva Saito Sensei? Saito Sensei diceva. Ichi ni. Questo era il modo di fare. E infatti molto difficile fare in una volta. Perché lui è più veloce di me, ad un certo punto lui è più veloce di me, perché questo ci vuole molto tempo per fare questo. E colpire di nuovo. Need a lot of time to do. Need a lot of time to do that movement and to come back. But you need less. There's less time needed if you do it with the idea of catching it. It's a good idea. Yeah, definitely, it's faster. Let's see how it goes.